On nous demande de simplifier ces expressions. 1,37 puissance 1K fois 1,37 puissance 7K, ça nous fait donc 1,37 à la puissance 1K plus 7K. 1K plus 7K, ça nous fait 8K, et 8K, c'est égal à 2. Donc ça nous fait simplement 1,37 puissance 2, la forme simplifiée. Après, pour la question numéro 2, donc c'est celle-là, on doit la simplifier. Donc là encore, on va appliquer la formule Q puissance A fois Q puissance B égale à Q à la puissance A plus B. Donc ça nous fait donc 0,23 puissance 5,67 plus ou moins 0,67, le tout divisé par 0,23 à la puissance 4. Ce qui donne donc en haut 0,23 puissance 5 sur 0,23 puissance 4. Là, on va appliquer la formule Q puissance A sur Q puissance B égale à Q puissance A moins B. Donc ça va donner donc 0,23 puissance 5 moins 4, ce qui donne finalement 0,23 puissance 1 qui est égal à 0,23. Donc voici la forme simplifiée de cette expression. Pour la suite, donc nous avons 1,25 puissance de 25, le tout à la puissance 4, fois 1,25 à la puissance moins 9. Et bien, nous allons calculer ça d'abord. Nous savons que si nous avons Q puissance A, le tout à la puissance B, c'est égal à Q puissance A fois B. Donc, si nous appliquons cette formule ici, ça nous fait donc 1,25 et 2,25 fois 4, ça nous fait 9 fois 1,25 puissance moins 9. Donc, tu rappelles, donc là, ça fait 2,25 multiplié par 4, ce qui nous fait 9 fois cette partie. Et donc, on a 1,25 à la puissance 9 plus moins 9, ça nous fait 1,25 à la puissance 0, ce qui nous donne 1. Pour cette question, nous devons trouver la puissance qui manque ici pour qu'on ait cette égalité. Ici, ce qu'il faudra remarquer, c'est que 0,7 au carré, c'est égal à 0,49. Je vais faire apparaître donc 0,7 au carré ici. Donc ça me fait 0,7 au carré, le tout à la puissance. Donc combien fois 2 va donner 4x? Donc c'est 2x. Donc ce qui fait 0,49, le tout à la puissance 2x. Nous passons à la dernière expression. 2 moins 0,7 puissance 4x, le tout au carré. Donc ça, c'est une identité remarquable que nous allons développer et simplifier. Donc ça nous fait 2 au carré moins 2 fois 2 fois 0,7 à la puissance 4x plus 0,7 à la puissance 4x, le tout au carré. Cela nous donne donc 4. Là, ça nous fait donc moins 4 fois 0,7 à la puissance 4x plus, là, ça nous fait 0,7 à la puissance 4x fois 2. Donc ça nous fait 0,7 à la puissance 8x. Donc, ici, notation, la puissance étant prioritaire par rapport à la multiplication, nous ne pouvons pas effectuer ce calcul. Et donc, la forme simplifiée, ça sera celle-ci.